Monsieur le coordinateur de la cellule de communication, mesdames Nélioussou et Émilie, monsieur Yaya Bangoua, ancien coordinateur des populations de l'ETG de l'Europe, mon cher Samuel, membre du conseil politique, mesdames, messieurs, je voudrais ici et maintenant vous transmettre les salutations fraternelles et chaleureuses de notre président et la Sénégalaise. Je voudrais vous rassurer ici que le président sénégalais se porte bien. Il est fier de nous et nous avons prouvé au monde entier que le président sénégalais, malgré qu'il soit absent du Paris, l'UFDG demeure le premier parti dans ce pays. La preuve donnée, parce que l'homme âgé que vous voyez là est organisé par une seule fédération, la Fédération des Dissidents. Je voudrais, au nom de la Fédération, remercier et féliciter le secrétaire fédéral des Dissidents. D'abord pour son discours, ensuite pour cette mobilisation. Nous sommes fiers parce que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on aime le PG, qu'on n'aime pas le PG, nous sommes la première force politique dans ce pays. Merci, monsieur le secrétaire général de l'UNICEF. Vous avez suivi le thème de ce matin qui parle de chômage. Mais, je n'ai pas envie de m'étendre là-dessus. Parce que ceux qui sont intervenus, que ce soit Nélioussou, le secrétaire général de l'UNICEF, madame Émilie, ont parlé de chômage. Pour savoir que dans ce pays, les gens n'ont pas de travail, il faut faire le tour des cafés. Il faut sortir un lundi matin, faire le tour de Conakry, aller dans les quartiers, regarder les cafés, regarder si nous sommes dans les cafés. Les 90% de ces gens sont des gens qui ont terminé l'université et n'ont pas de travail. Ça, c'est la preuve. On n'a même pas besoin de réfléchir. Dire qu'il y a 4 ou 6 responsables. Alors, faisons le tour. Je voudrais insister sur un élément important. C'est la confusion qui a été tenue entre la refondation de l'État et la transition. Vous avez pensé que le 5 septembre, on avait mis en place le comité national pour le redressement. C'est le colonel a tenu un discours. Personne ne pouvait imaginer que depuis les 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de visibilité. On a des élections majeures, élections locales, élections législatives, élections présidentielles. Depuis que le CNRD est au pouvoir, aucun qui n'est. J'ai dit qu'aucun Guinée n'a une visibilité par rapport à ça. Ce qu'on lui fait voir, c'est la révocation de l'État. Il consiste à dire, nous allons faire des routes, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, organiser des conseils, organiser les deux autres. Il dit, on a besoin des routes, c'est vrai.
On a besoin de l'électricité, c'est vrai. On a besoin de l'autosuffisance alimentaire, ça aussi, c'est vrai. Mais est-ce que c'est la mission de la transition? J'ai dit non. La mission première de la transition n'est pas la refondation de l'État. C'est pour organiser des élections pour mettre ce pays sur la voie de l'État. Ah, c'est du bonheur de l'État. Nous avons dit qu'on ne participe pas au cas. Parce qu'on voit que quand il y a beaucoup de monde, on ne peut pas avoir le résultat. Nous avons demandé à ce que la vie sur cette dizaine de la chasse. Certains ne sont pas d'accord. Ils ont bien dit. Il a eu des 10 points, d'accord. Sidi, validé par la CDO depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de visibilité. Personne ne sait comment. Ce qu'on sait aujourd'hui, incontestablement, c'est que le CNP n'est pas dans la logique d'organiser les élections. Pas dans la logique d'organiser les élections. La constitution est où? Le code électoral est où? La dernière fois, on était en train de connaître le CNT, en train de parler de la loi sur le recensement d'état civil. Et que c'est dans ça qu'on va sortir le fichier électoral. Si on veut faire un travail comme ça, on veut sortir à partir du recensement général de la population et du fichier électoral, il faut au moins 5 ou 6. On a un fichier propre, un fichier qui n'a pas, on a le matériel de l'écran, on a tout, tout est prêt, on laisse ça à côté. On peut occuper le peuple. J'ai dit, c'est très grave. J'espère que les journalistes aussi sont éclairés. Nous sommes dans la même situation, vous et vous. Personne ne comprend, et vous et nous autres. Personne ne peut vous dire quand est-ce que nous allons sortir de cette situation. Certains disent oui, il y aura un glissement. Un glissement. Si c'est un glissement, c'est un ou deux ou trois. Mais ce qui n'a pas commencé, ça, ce n'est pas un glissement. On ne peut plus. Après un jour, on va vous appeler pour le dire. En bon sous-sous, c'est d'abord la refondation de l'État avant la fin de la transition. On va se retrouver, puisque les Guinéens connaissent bien les phrases. Waouh! Ah ah, on va dire la lumière. Waouh! Ah ah, on va dire la lumière. Laissez, il va terminer ce qu'il a commencé. Aïe à tout, avant pas la mort. Arrêtez les routes dans le quartier. Commencez à faire les routes dans le quartier. Qu'est-ce que nous avons à voir? Commencez à nous parler d'un gouvernement qu'on va changer. Qu'est-ce que nous avons à voir avec ça? Un gouvernement qu'on va changer. Il reste 13 mois. Et il ne faut pas changer ce gouvernement. Vous êtes blessé depuis les 5-7 ans. Vous ne devez changer personne, vous devez assumer avec tous ceux qui sont pas pour le gouvernement jusqu'à la fin de la transition. Ça, c'est une façon de couper le. On va changer, tel va être le premier ministre, tel va être ceci, tel va être cela. D'ailleurs, vous avez avancé, on a même un truc du GN, on a ceci, le colonel, le contact du gouvernement, tout ça. C'est pour céder, c'est que nous avons. On n'a pas besoin de ça. Nous voulons quoi? Nous voulons que le colonel respecte les engagements qu'il a pris de 5-7 ans, organiser les élections, mettre à la tête de ce pays. C'est ça, c'est ça.
attend le papa. Il y a des cas qui est bon, on a commencé des routes. Depuis le mois de Covid, ils ont tout cassé la vie. Ce matin, ils vont aller casser les balades du sol. Tout ça, c'est pas le travail du ciel. Le travail du ciel est organisé. Bon, est-ce que c'est difficile de comprendre? C'est ce qu'il faut faire. La refondation de l'État. Je voudrais vous dire, honnêtement, continuez à vous mobiliser. Continuons à travailler. Continuez à convaincre les leaders sur le projet de société de notre pays. Je voulais donc profiter de cette occasion pour M. Guetta vous souhaiter la bienvenue dans ce parti. C'est un parti qui se bat pour la Guinée de l'Assemblée. C'est un parti qui se bat pour faire de ce pays un pays, une Guinée qui est prospère, derrière le plaisir. Mais soyez convaincus que le prochain président de la Guinée, ce sera lui. Je voulais terminer, s'il est présent, pour vous parler des inquiétudes. Dans un pays honnêtement, où on met la totalité des généraux de son armée à la tête. Dans un pays où plus de 50% de la jeunesse échoue aux élections. Dans un pays où les limites enseignants contractuels sont en grève pour non-paiement des salaires. Un pays où les libertés de manifestation sont pas fortes. Un pays où les dirigeants ne sont pas élus. Ils n'ont plus de légitimité. Vous avez entendu ce que Badraoui a dit, qu'à partir de ce pas du 12 novembre, il va rendre sa démission parce qu'à partir de cet instant-là, il n'a plus la légitimité d'être maire, d'être conseiller madame. Parce que quand le mandat est fini, il n'a plus de légitimité. Dans un pays où la jeunesse perd tout espoir, où l'obligé de s'orienter, pas de l'aventure. La jeunesse qui est venue là, les enfants sont dans le désespoir. Ils sont partis dans un pays dont je n'ai même pas envie de dire le nom, tellement que c'est grave. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'espoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de travail. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de visibilité. Pourquoi? Parce qu'ils sont convaincus que le CNLD n'a plus pour rôle d'organiser les élections. Mais ce pays-là, au travail, ils ont perdu l'espoir pour que les élections. Dans un pays où la loi est absente par manque de constitution. On a dit sur la constitution. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a jamais. Mais il n'y a pas de constitution. À ce moment-là, dans un pays où il devait avoir un parlement élu, c'est le CNLD qui joue le rôle. Un ministre de la à Bruxelles a évoqué la situation de l'homme. Il a parlé de la réussite. Le ministre se pose la question: où va l'argent? C'est pas moi,
c'est pas Kalimundo. C'est le ministre de la République de Guinée qui dit que devant nous tous, on voit des trains qui transportent nos minerais. Et il se pose la question, dans quelle poche dans la sécurité, ministre. Quand dans un pays, le procureur de la République est le procureur de la République, etc. Un avocat. Un pays dans lequel on nous dit que les ministres, leur passeport diplomatique des ministres est confisqué. Ils ne peuvent pas sortir. Comme pour dire qu'on est dans une situation grave. Parce que honnêtement, le même ministre peut appeler les ministres pour les dire, déposez vos passeports. Est-ce qu'on a besoin de faire de la publicité par rapport à ça? Un pays où on prend des dates, tous les dates. On va en aller dans un coin de matin pour soir. Écoutez, quel est l'avenir d'un pays dans une situation comme ça? Moi je dirais, l'avenir est sombre, complètement sombre. Et c'est pour toutes ces raisons que nous avons choisi de nous battre pour mettre à la tête de ce pays un homme qui a de l'expérience, qui a de la compétence, qui a des relations. Il m'a donné le travail pour chien. Il m'a donné le travail pour toi. Les richesses de la Guinée vont être réparties. Ce pays va être un pays de justice où on ne va pas aller se jeter sur quelqu'un qui voyage à l'aéroport et ne sait même pas pour retirer son passeport. Ça va être un pays où il y aura la justice pour l'instant. Ceux qui comprennent un peu que un pays, ça vole. Un pays, les mafiotiers fuient. Un pays, elle nous fait qu'elle est bien. Un pays, elle nous s'est qualifiée, c'est nous. Et cet homme, c'est le président Sénégal. Et je crois fermement, je crois en Dieu, que le prochain président de la Guinée s'appellera Sénégal. Et mon pays ne prendra pas pour ceux qui veulent citer. Même une guillée pour la faire. Je prie le Tout-Puissant, Dieu, d'aider le colonel à respecter ses engagements 5 septembre pour qu'il entre dans l'histoire par là. Je prie le Tout-Puissant que le colonel se rende compte que sa mission première, c'est d'organiser les élections partielles et que ce n'est pas la population. Tous ceux qui disent ça sont en tête. Parce que demain, après demain, il va être en contact. Ce que je ne comprends pas, c'est que les événements du 28 septembre sont publics. On doit pouvoir tirer des leçons de ça. On avait dit la même chose au colonel, au capitaine Moussa, qui était un homme que je connais, il n'avait pas le problème de pas tuer une mouche. Mais quand on l'a pris en charge, on l'a modulé, on a mis le colonel et capitaine Moussa Bédis dans une heure. Je souhaite que le colonel ne tombe pas dans le même piège avec ceux qui sont capables de créer mouvement et histoire ici et qui sont en train de créer Je prie Dieu que Dieu nous épargne, bien aimé Dieu qui crée mouvement et histoire ici. Et qui va tous les délais créer Front National pour la défense de l'Ukraine. Donc, alléluia, mieux fait pour ces gens-là. Parce que je vous ai dit, il ne faut pas. J'en ai terminé. Rentrez chez vous. Le samedi prochain, il n'y a pas d'âge. Et le 11, ce sera l'âge de la 5e.